Bonjour, chers auditeurs du sud de Radio Solidarité. Non, moi, c'est Bonne Octobre de Radio Télé Solidarité. Je tiens à que nous mettons deux grandes dames dans la communauté. Hein. Madame Elsie Gilbert Méclambeau, qui est fondatrice de l'organisation EMJ, avec le lieutenant-colonel Mike-Amel Wanch, pour entrevue dans Télé Solidarité, l'occasion, moi, femme mieux. Qui veut que Madame Elsie, que Nabdo, bonjour. Bonjour. Bonjour à toute la communauté. Je suis très content de la journée. Hein? Et merci pour l'invitation. Je remercie spécialement Apostol Haïtien, Radio Télé Solidarité, pour le bon travail que vous avez fait dans la communauté. Hein? Donc, je suis très content la matin. Hein? Madame, si nous connaissons que chaque année, nous avons une grande activité pour les femmes, dans l'occasion internationale de la femme. Nous avons que pour parler de premièrement de association qui est EMJ et qui j'en activité à pied à Nissa. Bon, rapidement, deux mots capable de dire ça que son organisation que nous fondé, que moi particulièrement, moi j'ai prendre initiative pour me fonder en 1997. Donc c'est en pile à l'année qui passait là, côté que là nous commençons avec une équipe de collaborateurs, nous pas de penser que nous avons bien tout parcours ça pour nous fait après 17 ans. Donc nous venons nous pour structurer correctement mais l'organisation était créée et nous était ouais que c'était pour nous promouvoir santé pour nous porter information bah mon mieux ressources pour être capable de vivre plus bien et au point de vue physique et au point de vue mental. Donc nous venons commencer à développer des programmes à partir de fin 99 en an 2000. Nous créons programmes sur prévention cancer TT, nous créons programmes sur prévention et VIH/SIDA, nous pour des programmes tout pour les familles haïtiennes côté pour connait comment pour élever timounyo et nous gain programme ça qui a marché depuis 14 ans et de récemment nous enfin pas récemment gain 15 ans ça nous créer programme tout pour les femmes et alors nous relais là le programme de mars, le programme international du mois de la femme qui tombait toujours tout mois mars ça depuis 1er jusqu'à 31 mars. Donc c'est dans cadre ça que nous fait des reconnaissances avec les femmes haïtiennes qui portaient une contribution à la communauté, si c'est sous plan professionnel, si c'est sous plan humanitaire, si c'est sous plan intellectuel et civique. Et donc nous toujours cherchons une femme qui est capable que nous capables reconnaître, montrer devant la communauté. Donc c'est comme ça que le programme ça a commencé depuis l'année 2000. Et donc c'est 15e commémoration que nous avons gagné à Nessa qui pourra le faire la semaine prochaine et Maguette en un petit peu plus de détails et l'autre introduction au fin fête. Et donc nous sommes très 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 contents, nous satisfaits du travail ça, côté que nous avons mis toute communauté, toute assemblée haïtienne en batterie ensemble pour venir ensemble venir battre bravo pour une dame. Ou bien nous te prenons son tout dans le programme non, mais allez ça sont l'autre grande dame que nous pral gagner cap venir le 23 mars que nous pral reconnaître. Donc c'est ça que programme là apporter. Mais que dame ça fait qui n'en est encore? Bon, dame cap venir c'est un grand artiste cap vive Haïti et c'est madame Nicole Saint-Victor. Nicole Saint-Victor son dame qui gagne un grand et document avec lui qui peut en pile charge avec lui dans le domaine de la musique, dans le domaine de chant. Son soprano, c'est une forme de voix spéciale que madame ça gagne que le chanter opéra et madame ça fait un pile travail dans différents continents, dans différents pays, il fait un pile récital plusieurs côtés même en Haïti tout. Donc nous inviter venir rencontrer communauté New York là parce que nous connaissons belle communauté, les sont communauté qui doit apprécier ce que c'est que l'art, ce que c'est que les valeurs artistiques. Donc nous t'aimer que communauté vienne battre bravo, vienne chanter avec madame Saint-Victor cap là dimanche prochain. Et le programme ça c'est pas n'a pas connaître l'autre femme tout. Donc il y a deux grandes dames dans la communauté haïtienne de New York là, que nous pourrons reconnaître. C'est madame Marie-Marthe Saint-Cyr qui parle aujourd'hui, hein, mais qui fait un grand travail dans le domaine de l'ambiphone.
l'ambifonde pour association qui a aidé les femmes haïtiennes dans le domaine de bailler l'argent pour le travail, pour dégager, pour être capable plus indépendant, et dans le domaine tout de l'agriculture, élevage. Donc nous avons quelques photos que nous pouvons monter sous scène là, de travail que l'ambifonde a fait en Haïti, que Madame Saint-Cyr a dirigé. Et l'autre gros dame que nous pouvons honorer toujours dimanche 23 mars, et le Flushington Hall, et c'est Madame Marie-Carmel Wanch. Non pas dire trop formellement Marie-Carmel, parce que tout le monde connaît son nom de TICAM, de Singing Nurse, TICAM. Son monde qui a marché avec EMG Health depuis 1998. Depuis 1998, nous prenons photo ensemble, Marie-Carmel, avec membre de EMG Health. Donc nous reconnaissons talent Madame ça, nous reconnaissons valeur, nous reconnaissons énergie, et nous prenons tout, tout ça lui fait. La communauté ici là ensemble avec communauté haïtienne là on a mettre côté que le fait qui ça l'a fait comme travail sérieux avec jeunes avec femmes. Donc son dame il était temps pour nous te montrer devant tout le monde mais ça le capable faire pour nous reconnaître pour nous battre bravo pour lui qui veut que lieutenant colonel Marie Camel Wanch bon TICAM avec une petite monio que nous que je dis que nous dit bon Dieu merci nous capable prendre lieutenant colonel TICAM qui sorti dans communauté pas non est-ce capable dire nous vraiment qui travaille ou fait dans communauté là depuis qui joueur que gagne tout l'OE EMJ Health Communication bois reconnaître tout comme parmi et gros femme nous gagne dans communauté là. Eh bien, comme nous entendons que nous avons Marie-Carmel Wanch, et la chanteuse infirmière, le lieutenant colonel, TICAM, pour les intimes et puis pour la famille Poupette. Qui fait que je suis très content de saluer tout le monde dans la communauté hein, et un pile bel travail qu'il a fait. Et comme un pile de monde connaît le travail que je fais dans la communauté, hein, je suis infirmière pratiquée, je remets santé en pile. Et en même temps, je travaille ni bon ici aux États-Unis et je travaille ni bon la caille. Je suis toujours conscience que je suis haïtienne et que si bon Dieu te voyait dans le pays bon ici, je suis venu apprendre, je fonce du travail, je suis supposé aider le pays bon la caille. Et ça t'a bien touché dans le tremblement de terre là, qui t'est fait, côté que je suis allé avec l'armée dans l'hélicoptère et les Black Hawk, côté que je suis voyagé de province à province, après prendre maladie, bio soin, transformer dans le carrefour. Aller dans Milo, dans l'hôpital qui dans Milo, et en même temps, les organes, nous font on travaille à travers partout. Et nous retirons les gens en bas des combes, nous prenons les gens, nous menons dans une zone qui est censée pas affecter. Nous fouettons l'autobus et sortons de Port-au-Prince pour arriver à Wanamet. Côté que bel accueil qui fait. Qui fait après bagay ça, nous avons que il était là, nous avons un autre type de travail, retirer les gens dans la rue. Fait éducation et surtout les femmes parce que avec IMG avec Elsie Gilbert tout bel travail que l'a fait nous tient que comme communauté haïtienne nous supposé travailler ensemble le travail ensemble pour qu'a fait un pile bal arriver et moi même son monde que nous croyons dans éducation éducation c'est le même qui clé parce que la Bible dit c'est mon peuple meurt manque de connaissance qui fait que nous toujours tient que on monde nous supposé éduquer et me sens c'est me prend et degré dans et comme infirmière dans Manhattan Community College, après ça, je prends un bachelor's degré dans Medgar Evers. Tout ça, c'est l'école, comme si c'était noir orienté. Et puis, je prends un master's avec nurse practitioner dans SUNY Downstate. Et que tout dernièrement, il faut nous travailler dans la communauté, on est allé devant Downstate. Côté que nous avons lutté pour nous assurer que le gouvernement n'a pas fermé Downstate, parce que c'est là qu'un pile haïtien vient prendre soin dans Downstate avec Kings County. Et au point de vue de et différentes carrières que je fais, et je fais combien d'années jusqu'à ce dans l'armée, et que grand pile de choses qu'on apprend dans l'armée, qui a aidé, disons, le peuple qui a pu survivre dans une série de situations. Et parce que nous songeons et nous foncer de censer sachets, côté que de l'eau, côté que pour apprendre à purifier de l'eau, côté qu'on sait de manger, qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin de mettre dans le frigidaire. Qui fait que son bagage que me tient pour faire éducation jeune yo parce qu'un pile jeune yo yo pas connaît ça qui passé et ni en Haïti ni aux États-Unis qui fait que me tient que pour nous faire jeune yo rencontrer qui fait que grand pile programme que me fait au point de vue de santé moi et pour occuper en famille faut occuper cerveau hein, qui c'est partie mentale là faut occuper partie physique là qui c'est quoi et pas vie maladie et puis partie spirituelle là parce que c'est toute partie ça qui fait on être humain qui fait que c'est sous ça que me toujours concentrer moi
pour parler de moun yo de maladie, surtout en pile communauté, surtout haïtienne, au point de vue de en pile moun qui a fait et tension, il y a sa so, et les tensions montées, il fait CVA, il vient paralyser en bord, il pas qu'à manger, qui fait que nourriture là c'est même qui clé, au moins qui fait que sans nourriture nous pas vivre. Mais l'autre bagage qui est important tout pour sécurité la famille kembe ti moun yo kembe culture nou qui toujours très 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 important pour communauté qui fait que me fait travail au point de vue de spirituel parce que et nous concentrer parce que c'est bon Dieu qui est en charge de nous toutes. Sans bon Dieu nous pas tap là, c'est bon Dieu qui protège nous voit que les gens sautent passer nous si nous pas accident, c'est grâce à lui même qui fait que me tient pour me faire partie spirituelle, partie mentale et partie physique pour nous kembe communauté en santé pour nous arriver pour avancement pays hein, haïtien avec moun k'ap viv bord lo bo ici. Qui fait que lieutenant colonel Mike Kamel et Tikam que réellement on dit pile bagarre là que bon qui va l'édifier public non hein, non seulement public qui pas bo ici et même public qui en Haïti à tout. Qui fait que bon n'a retourner pour dire nous avec madame Elsie Gilbert Macnambo que nous connaît que ou va honorer jour 5 avril là par association des médecins haïtiens à l'étranger. Est-ce que capable de nous non une minute qui joie pour gagner et que pour qu'on reconnaisse ça que on va recevoir de médecins haïtiens chapitre New York là. Bon moi ça me capable de dire c'est que c'est où me sentir honoré, me sentir fier, me sentir me content en pile. On compte en pile parce que c'est comme si c'est chaque fois ou yo reconnaît travail ou n'importe qui monde qui reconnaît travail que ce soit patron que ce soit ami que ce soit famille ou monde qui dit bon font bon travail bon bon travail c'est canet ou baou changer l'école ta bon canet chaque mois pour poto camper soit fait travail là correctement faut que monde qui évalue faut que monde qui connaît soit fait toujours être ici on pas faire un bon travail avec équipe monde comme avec équipe collègue équipe collaborateur yo ta capable dire ça tout. Vous comprenez, yo pas jamais chercher reconnaître, yo t'avoir peut-être des notes dans la radio, dans les lettres pour dire comme ça que ah ben comment il a critiqué ou pas font bon travail ou a prêté leur mauvais domaine tout bah comme ça. Donc finalement là y a bon honneur, c'est parce que travail là t'es plus ou moins adéquat. On pas dit travail là t'es excellent, travail là t'es bon. Donc moi très content que reconnaître ça. Et mon qui t'a pas encore plus fier c'est grand tonton moi et papa maman moi docteur Christian Valmé que moi suive me suive principe c'est lui même qui t'a appris moi et prier et l'homme était l'homme t'a évolué l'homme était l'homme était petit c'est lui même qui chaque soir t'es qu'on vienne reler moi il fait mettre ma genou devant lui pour te montrer comment prier et moi c'est ta pour grande fierté pour lui tout pour ta ouais que petite lui à reconnaître par des professionnels des médecins et pour travail que il te voulait faire travail générosité travail abnégation travail sacrifice ça pas pour travail ça comme quoi que passer m'a fait là yo doué honorer yo doué dire merci pas gain bagage quoi faire faut pas jamais penser à recevoir rien en retour et moi crois que c'est les principes de la religion les principes de la scripture de la Bible faut rien donner pour recevoir quoi que ce soit en retour ou fait parce que c'est cœur qui t'a dû faire c'est vision qui t'a dû faire c'est ça que la vie en prêché ou donc et m'a dit merci moi très content et faut me reconnaître tout arriver madame Doll le chapitre des médecins à l'étranger surtout à New York parce que depuis 14 ans que moi là que n'a évolué ensemble madame Doll ou le travail que m'a fait donc est-ce que c'était présence madame Doll qui pouvait venir dans chapitre là qui pouvait faire que reconnaître moi peut-être ça peut-être pas ça tout donc moi vois que son combinaison des deux mais m'tiens à remercier lui et docteur Micheline Doll ainsi que toute membre association des médecins haïtien médecin américain haïtien à l'étranger. Donc moi très content et m'attendre que en pile monde supporter et chapitre là parce que il a fait un travail depuis 41 ans sur le terrain. Donc on t'a souhaité que nous là tous 5 avril là au soir dans Long Island Marriott pour que c'est là que l'activité a passé. Merci. Oui, lieutenant colonel et Marie Kamel. Donc nous connaît que on va nourrir tout. Oui. Le 23 et mars parmi gros femmes dans la communauté. Oui, oui. Bon, est-ce que tu peux dire non, en minute, qui joue au gain, les côtés t'as dit qu'aucune chaîne nouvelle ça t'est tombée.
Et même t'es réellement très 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 content et pas qu'à réellement expliquer joie que me gagne que qu'on organisation qui réellement reconnaît tout travail que me fait. Au point de vue aussi dit lieutenant colonel dans l'armée spécialité c'était NBC. NBC veut dire nucléaire, biologique et chemical. Ça signifie que tout type ça c'est eux même que m'apprendre soldat pour qu'on ait qui gens pour défendre contre différents types de bagages ça qui fait que c'est pas toute infirmière qui apprend partie ça mais comme soldat tout t'apprendre et main armes et M9, M16 et 45 qui fait que c'est pas infirmière seulement mais on apprend qui gens que pour protéger maladie pour protéger un peuple pour protéger un pays même qui fait que son bac qui réellement est rentré dans son mais et famille moi très satisfait tout et me dit que et mon papa spirituel moi que c'est bishop et monsieur Sansari qui toujours là avec moi qui connaît famille moi très très bien et me toujours très content depuis moi li content et que me connaît que la là ensemble avec nous qui fait que madame Gilbert le mot de la fin madame Elsie Gilbert Mecklenburg moi remercie encore Brother Tob et pour excellente collaboration que la baie Bishop Sansarik et Bishop Sansarik et nous tous nous jaloux de lui et moi-même tout moi t'ai fait un long cheminement avec lui c'est pas jodi que moi connais Bishop Sansarik l'a suivi moi longtemps et moi-même kembé là archive moi un petit note que le te voyait ban moi en 2003 quand elle t'a dit que gen pile adversité gen pile et quand pile monter descend que me pral joindre gen pile rebuffade me pral prendre en pile jarrette me pral gagne pour me gagner pour me surmonter en pile obstacle et me toujours kembe ça la caimain me toujours relit temps en temps mal relit note ça en 2003 donc déjà 11 ans que me gagne note ça la caimain que me pas jamais perdu donc moi t'a dit communauté fait leader yo confiance parce que nous sommes communauté qui là depuis en pile l'année ici n'a milité, n'a travail, gien ça même qu'on gien cap retired, gien ça cap malade. Donc nous besoin youn a lot. Nous besoin poté coller a. Faut nous faire moun yo confiance, faut nous capable parler avec moun que nous connaît. C'est pas parce que ou moun nous fait nous capable faire moun confiance et puis nous pas connaît, faut nous faire tous les deux, faut nous connaître moun nan et faut nous capable apprendre ni pour nous faire confiance. C'est la seule façon que n'a capable pidjam n'a pour communauté solide n'a pour sommer une communauté que y a honoré que y a toujours capable bail valeur on prend le nous dit nous c'est haïtien faut nous dire là avec tout nom nous et c'est comme ça que n'a pi content pour n'a vivre dans pays ici pendant que nous là avec le lieutenant colonel Michael Ranch parce que normalement moi m'obligé tout dire lieutenant colonel parce que faut que nous connaît que qui ça l'armée jouer et rôle l'armée dans pays. Et là, nous, en femme comme ça, en femme haïtienne qui est dans l'armée, que nous croyons que réellement que Madame Gilbert, que nous battons bravo pour vous, parce que réellement que nous pas croyons que nous avons pire, même Jean avec Michael Ranch, qui est le lieutenant-colonel, je ne veux dire dans l'armée américaine. Eh bien, l'homme d'aller en Haïti, je me fais une interview, tout me parle que comme il est important pour nous créer une armée en Haïti, une armée professionnelle, côté que tout le monde a un bagage quelconque qu'il a fait. Et avec ça, je crée une fondation sous nos familles. Moi, c'est Wanch Wazenbeck Fondation, côté que nous travaillons professionnellement avec Timounio dans la communauté. Qui fait que dans ce travail, depuis nous étions tête ensemble, un pile bel travail à faire pour le pays d'Haïti, pour l'avancement du pays nous, avec le pays bon ici. Qui fait que nous dit, madame et Elsie Gilbert, Mecklenburg, on vous remercie pour l'entrevue. Nous avons dit, lieutenant-colonel, Michael Ranch, Chikam, on vous remercie avec eux. Nous pas oublier tout directeur technique et télé solidarité. Nous voulons parler de M. René Léonard Luxembourg, réellement qui a fait télé solidarité bouger montagne. Parce qu'il est capable de dire que réellement télé solidarité avec Elsie Gilbert Mecklenburg, avec le lieutenant-colonel Michael Ranch et René Léonard, que réellement que nous allons faire. Bougez plus pas encore. Encore une fois, un grand merci que le fait que nous t'accepter venir pour nous vivre ça dans Télé Solidarité et n'a tout dit madame Elsie Gilbert Mecklenburg et bonne chance pour aucune chaîne activité que va faire pour famille. Je n'ai qu'à 23 mars là dans Washington Hall. Flushing Hall. Flushing Hall.